things are changing, times are strange. Weather's hard, but a chill remains. I wanna go where I'm not again. But I can't get on any plane. And I know by now that we'll come out from here. Something's clear. Bon, il est midi, on part enfin du mont. On est parti ce matin de Saint-Malo à 9h20. Là, on commence à longer la côte direction plein ouest vers Saint-Malo. On part un peu tard, mais c'est une petite étape aujourd'hui. On a que 16 km jusqu'à Ross-sur-Quenon. Donc ça va aller, au pire on marchera plus et on trouvera un endroit pour se poser à l'abri. Et là mon point de vue est plutôt pas mal. Il est 15h44, on a passé Ross-sur-Quenon. C'était la fin de l'étape du jour, 16 km ça faisait. Là on continue parce qu'on a le temps et qu'on est en forme. On peut marcher jusqu'à 18h à peu près, on verra combien de... selon notre fatigue. Et on a juste à trouver de l'eau et après on pourra trouver un coin dormir. On a quitté vraiment le bord de mer, on est vraiment dans les terres et c'est joli avec les couleurs d'automne. De Saint-Marcand, on a trouvé du pâté à l'épicerie qui est aussi boulangerie la Miche Saint-Marcaise. Je vous conseille de passer là-bas parce que le monsieur est très gentil. Il nous a laissé faire nos pleins d'eau, etc. Il nous a donné des conseils pour dormir ce soir. Là, on est parti de Saint-Marcand, on marche un petit peu plus loin, on cherche un coin un petit peu tranquille à l'abri et dans les champs un peu plats pour dormir ce soir. Donc, on a pris du pâté, demain midi on prendra du pain. Donc, on aura deux sandwichs pour demain. Et grâce à lui, on a de l'eau. Donc, maintenant, on va chercher un coin pour dormir.
La tente est montée, les matelas sont gonflés, les duvets sont prêts à nous accueillir. On va faire réchauffer le lyophilisé et on va aller se coucher pas trop longtemps, je pense, parce que on a marché 25 km. Après, aujourd'hui, on a dépassé Saint-Marcand. On est bien, on est dans un bois tranquille à l'abri de la route ou des chemins. Et donc, je vous dis à demain. Ciao! Hello! Il est 8h20. On s'est levé on s'est réveillé à peu près une heure. On attendait que la pluie cesse, mais la pluie ne cesse pas. Il a plu à peu près toute la nuit. Donc là, la tente est trempée, nos affaires. Ça va à l'intérieur, on est un peu humide, quoi. Je suis en train de faire chauffer le petit déjeuner. Et on va partir rapidement, même sous la pluie. De toute façon, nos affaires ne sécheront pas aujourd'hui, je pense. Allez, c'est parti. Nouvelle journée. Et quart, on lève le camp. On a replié comme on a pu la tente et les affaires bien mouillées. Il pleut un peu moins. Mais bon, de toute façon, on va se réchauffer en marchant. On doit juste rechercher un petit peu d'eau là et puis arriver à l'heure pour trouver du pain ce midi. On va bien voir. On a quitté le relief après notre vie, on a passé Saint-Marcand, encore un autre village, on a marché dans les bois pendant je crois une heure et demie. Et là on est de retour dans les pôles d'air, on va rejoindre la côte qui est tout là-bas. Le Mont Dol, c'était notre objectif, on devait y être à midi pour au plus tard pour être à la boulangerie, voir s'il y avait des sandwichs. Normalement il y a un dépôt de pain 24-24, on va essayer de trouver pour manger avec le pâté. On n'y sera pas à midi, il est 11h30.
arrivé au Mont d'Ol. Enfin, c'était un peu long, le chemin est très monotone dans les polders. Puis il y a pas mal de routes sur la fin, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, on va arriver, on va pouvoir trouver du pain pour manger. Ça va faire un grand bien, on va faire une bonne pause. Essayer de faire sécher un peu les affaires. On a fait quand même pas mal de kilomètres ce matin, on pense. On n'a aucune idée de combien, mais on a bien marché, on avait un bon rythme. Et là, on va monter en haut du Mont d'Ol. Ça grimpe dur. On est passé en bas au village. La boulangerie n'existe plus, le dépôt de pain est vide. Donc il n'y a rien à manger. Et la crêperie qui est en haut du Mont d'Ol est complète. Donc on va manger nos lyophilisés qu'on avait prévu pour un soir. Et là on monte le Mont d'Ol. Heureusement on s'arrêtait à un hôtel. Ils ont bien voulu nous remplir nos gourdes. Donc on a 2 kilos de plus dans le sac. Et ça monte pas mal là. Mais je crois qu'on est bientôt arrivé. Vue sur Dol de Bretagne. Bon, on n'a rien trouvé à manger, donc on fait des lyophilisés. Il y a la tente qui sèche, les duvets aussi, la table. Ça va être très très bon. Il est 15h, on a fini la pause qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude parce que on a fait sécher nos affaires et on s'est fait sécher. Et là on repart avec un gros grain qui arrive derrière, je sais pas si vous le voyez. On va se le prendre, mais bon. C'est comme ça. Faut qu'on avance parce que faut être mardi à Saint-Malo. À la route qui longe le littoral, on a été plus vite que je pensais. Finalement ça s'est bien fait les polders et là par contre on va longer le littoral pendant un moment avant d'arriver à Cancale, ça va être un peu toujours le même paysage je pense. Et déjà on arrive à la mer et ça fait du bien. On est arrivé à Saint-Benoît-des-Eaux, on a trouvé une épicerie qui est ouverte le dimanche après-midi, donc c'est génial, on a pris de quoi faire un bon pique-nique ce soir. Là on fait une pause et puis on continue direction de Cancale, on va voir où on peut marcher ce soir. On
on a quitté Saint-Benoît-des-Ondes, on a pu faire le plein d'eau à une boulangerie. Et avec les courses qu'on a là, on est parti en recherche d'un endroit pour dormir parce qu'on n'avait pas pensé avec les changements d'heure, le soleil se couche une heure plus tôt qu'hier soir. Donc là ça se couche très très vite. Mais on va trouver, on est bien là. Je pense pas que vous me voyez mais c'est bon, on a trouvé l'endroit où on va dormir, donc on va manger notre pique-nique qui était prévu ce midi. Et puis on va aller se coucher. On est dans un champ vraiment à l'écart de la route, donc on est vraiment bien entouré de haies. Donc même s'il y a du vent, etc., on sera protégé. Voilà, on va aller manger et puis dormir rapidement. Normalement, cette nuit il pleut pas, donc c'est déjà ça. Allez, à demain. Cette heure et demie, le ciel est couvert, mais on a mieux dormi que dans la forêt, je pense, parce que c'était moins humide, il a moins plu, il a pas plu. Et peut-être que le sol était plus agréable, on a moins gonflé nos matelas. En tout cas, on a bien dormi. C'est reparti pour une nouvelle journée. Le camp est rangé, il est 8h30, on est prêt, on y va. On reprend la route, direction le GR34. On a rejoint le littoral. Il n'y a pas de belle vue sur la mer parce que c'est bouché. Mais de toute façon, on longe la route là, la route du littoral. Donc, on longe plutôt les vendeurs, les autres agriculteurs qui vendent nos détails souvent pour les gens qui s'arrêtent le long de la route. Là où on a mangé hier midi. Là, c'est le Mont Saint-Michel. Ici, on voit le Mont Dol aussi. Ça a déjà marché tout ça. 9h58, on est arrivé à Cancale et là, on part en direction d'une épicerie pour soit pique-nique pour ce midi et pour demain midi parce que demain, ce sera férié. Thank you.
Allez, maçon, c'est Guimain. C'est bon, l'opération sandwich est passée, on a trouvé une boulangerie qu'on faisait et on est passé au Carrefour aussi pour un pique-nique pendant midi, donc on a tout ce qu'il nous faut, on est bien bien chargé maintenant, on va reprendre le GR d'ici pas longtemps et normalement il y a du dénivelé aujourd'hui. On arrive de tout là-bas. À la pointe du Groin, il est 14h je pense, on va pique-niquer pour il est 12h49 et on va pique-niquer. Un peu moins d'une heure. Là, on s'est refroidi, donc on rattaque assez vite le sentier. Sorti les manteaux qui commencent à se voir. On va prendre une petite averse normalement.
Ils ont prévu une petite tempête pour cette nuit, on espère que ça va aller. Donc là on va chercher un endroit plutôt abrité parmi les arbres parce que apparemment ça va souffler. Bon, il est 17h23, on avait trouvé cet endroit pour se poser pour la nuit, mais on a eu des news, on est en vigilance orange tempête avec beaucoup de vent cette nuit, ça va pas mal souffler. Donc on a pris la décision de prendre un gîte pour ce soir, donc ça va être grand luxe, on va pouvoir dormir au sec et faire sécher nos affaires. Et on a même un petit déjeuner demain matin, donc ça va être vraiment bien. Là on est en marche, c'est à 10 minutes de marche du sentier, donc c'est parfait pour nous. Allez, c'est parti. On est bien arrivé. Donc c'est cool parce qu'on peut faire sécher nos affaires, charger nos téléphones et avoir un petit déjeuner demain. Et on a une salle pour manger qui est de l'autre côté là-bas. Et donc c'est top parce que demain on a le petit déjeuner à 8h. Et ensuite on sera sur Saint-Malo, il ne reste plus que 18 km, nous a dit la dame. Et donc ça va être fait, on sera arrivé pour manger le midi, donc potentiellement restaurant là-bas et puis train à la fin d'après-midi après avoir visité un peu Saint-Malo. Donc c'est le plan parfait. De la chambre d'hôte, il est 10h, on part un peu tard parce qu'on n'avait pas d'argent, on a dû aller en chercher etc pour pouvoir payer la chambre. Puis les gens étaient très gentils, on a parlé un petit peu après notre bon petit déjeuner. Là on part direction Saint-Malo, on a 18 km apparemment. On mangera là-bas ce midi, soit notre nourriture qui reste, soit on trouvera un petit restaurant, ça pourrait être sympa pour finir l'aventure. Normalement on va pas avoir de pluie et le ciel est un peu gris et menaçant, mais par contre il y a beaucoup de vent donc j'ai pas très chaud. Thank you.
a atteint la commune de Saint-Malo. Et là, on est sur la dernière partie sauvage du parcours. Donc c'est vraiment très joli. Et après, on va rentrer en ville, donc ça va être bien moins fun. La pointe de la Varde, et donc là on a plus qu'à tracer le long des grandes plages du Sillon direction le Saint-Malo Intramuros. Attaque la plage du Sillon, c'est parti, les derniers kilomètres avant Intramuros. Une bonne galette à Saint-Malo, Intramuros. Là, on part en direction de la gare. C'est la fin de l'aventure. C'était super sympa. À la prochaine. Ciao.